Vous ne connaissez peut-être pas cette jeune femme, elle jouait dans la sitcom Seconde B, c'était il y a 15 ans. Depuis, difficile pour Isa Ferrer de se débarrasser de cette étiquette très encombrante. En plus d'être actrice, elle est aussi chanteuse. Elle essaie de percer depuis plus de 10 ans, mais en vain. Et surprise, au printemps dernier, la Russie passe une de ses chansons en boucle sur toutes les ondes, à la grande surprise de la Française. Ils m'ont demandé de venir à Saint-Pétersbourg en juillet dernier. Et là, ça a été le choc parce que je me suis retrouvée sur scène devant 25 000 personnes. Et avec ce look très particulier, difficile pour elle de passer inaperçue. Isa Ferrer a ce côté un peu manga, un peu déjanté, un peu sorti de son vaisseau spatial. En France, on a tendance à être écouté pour ce qu'on raconte. En Russie, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est le son qui va être plus important et le look de la chanteuse. Ils ont besoin de nouveautés, de fraîcheur, qu'on s'éloigne un petit peu des stéréotypes. Mais pour Isa Ferrer, comme pour les autres, si ce succès est plutôt bienvenu, la frustration est là. Difficile de supporter d'être aussi peu connue dans son propre pays quand on cartonne à l'étranger. Non, c'est vrai que je pourrais peut-être souffrir un petit peu d'un manque de reconnaissance en France, mais je travaille pour inverser la machine. Pour exister en France, Isa Ferrer se produira en juin prochain au Bataclan à Paris.